Bienvenue sur Wapala, votre magazine 100% Water Sports. Au programme cette semaine, on vous propose le portrait d'un longboardeur de talent, l'Hawaïen Dwayne DeSoto. Mais alors que le froid de janvier s'est installé sur l'Hexagone, nous vous téléportons tout de suite au Maroc pour un trip surf de toute beauté. On retrouve, pour le bien de vos mirettes, un extrait de l'excellente production Sana Saïda, l'un des plus beaux films de surf réalisés ces derniers mois. Produit par Bande Originale, le film a reçu le prix de la meilleure prise de vue à l'International Surf Film d'Anglet. Sana Saïda, que l'on pourrait traduire par « Bonne année » en arabe, retrace le voyage de l'année 2010 de Jérôme Sayoun le long des côtes marocaines et du nord de l'Europe, en quête de vagues parfaites et de droites sans fin. C'est justement sur un spot isolé au Maroc que l'on retrouve Jérôme pour une session sauvage de toute beauté. Pour entrer dans l'ambiance, rien de plus facile, laissez-vous porter par la musique locale, la lumière et une réalisation aux petits oignons. C'est pour Nico Touang et Jérôme Michelin de Blanchon. Andag. Et Blanchon, je ne sais pas si je suis avec Kbar. La Tiara. Je ne sais pas si je suis enchaîné le sectionnaire de Machit Salaouche. We'll be right back.
reste dans le surf, mais en longboard cette fois-ci avec le portrait de Dwayne DeSoto. Un pur souche de 33 ans et l'un des plus grands longboardeurs au monde. Il commence le surf à 4 ans sur son home spot de Macaha Beach en famille avec son père et son oncle. A l'époque, il ne se doutait pas qu'il allait devenir surfeur pro. Dwayne DeSoto domine le tour mondial de longboard depuis une quinzaine d'années, mais c'est en 2010 qu'il reçoit la consécration en remportant le titre mondial chez lui à Macaha. Égérie de la marque Oxbow depuis 20 ans, Dwayne est aussi l'ambassadeur de la culture hawaïenne à travers ses voyages autour du monde. Très engagé dans le respect des traditions, il est aussi très actif dans la protection de l'océan. Afin de transmettre son message à la jeune génération, Dwayne dirige un programme de sensibilisation appelé le Nakamakai.